Bonjour à tous, on m'aura tout fait faire dans cette émission. Alors, puisque nous venons de fêter Noël, on vous prévoit une spéciale Thanksgiving. Bien joué. Avec au programme aujourd'hui, Buffy contre... rien du tout, hein. Donc Buffy contre les vampires, South Park, Raising Hope, Thanksgiving 2015 et une sortie très américaine. Bienvenue dans Series. Ah, bah je vous vois mieux. Allez, on commence avec les souvenirs. Alors, cette fête traditionnelle de Thanksgiving est évoquée dans l'épisode 8, saison 4 de Buffy contre les vampires. Alex libère, en creusant un trou, un esprit vengeur amérindien venu terroriser Sunnydale. Il va s'attaquer aux grandes figures, un conservateur, un prêtre, responsable selon lui de l'extermination de son peuple. Le Scooby Gang et le retour très discret d'Angel ne seront pas de trop pour aider Buffy à s'en débarrasser. L'épisode est marquant, voire même pertinent, parce qu'il fait allusion à une partie de l'authentique mais oubliée histoire de Thanksgiving, le génocide du peuple indien en 1620. Il ne se focalise absolument pas sur la préparation de la dinde ou sur la préparation du repas de famille, comme le font les autres séries. Les 7 saisons de Buffy contre les vampires sont bien sûr disponibles en DVD. On passe au chiffre dinde du jour. Ça ne veut rien dire. Le chiffre du jour, donc, c'est le numéro 3. Et alors ? Eh bien, c'est le nombre d'épisodes à la suite consacrés au Black Friday. Alors, pour rappel, le Black Friday, c'est le lancement officiel des achats de fin d'année, toujours au lendemain de Thanksgiving, et avec des soldes conséquents. Donc, ça donne ce genre de comportement. Les épisodes 7, 8 et 9 de la saison 17 de South Park donc se moquent de tous ces gens qui se pressent dans les magasins. Ils ne se font pas de cadeaux, c'est le cas de le dire, pour obtenir la meilleure réduction, le meilleur produit. Et on va suivre, pendant ces 3 épisodes, deux guerres, le tout sous référence à Game of Thrones, et ça c'est très drôle. Donc d'un côté, on a Stan, Kenny, Kyle et Cartman qui vont se disputer l'achat soit de la PS4, soit de la Xbox One. Et de l'autre, les agents de sécurité face à ces acheteurs compulsifs, voire même violents. No doubt a lot of people you know and love are going to die. Il faut dire que la série n'est pas très loin de la réalité parce qu'un employé en 2008 est mort piétiné rien qu'en ouvrant les portes de son magasin. Game One diffuse actuellement South Park, c'est tous les soirs et c'est à partir de 22h. Il faut absolument découvrir la série Raising Hope, dont le personnage principal s'appelle Jimmy. Le jeune homme, un brin simplet, sans grand avenir, vit encore avec ses parents chez sa grand-mère sénile. Et c'est dans ce climat familial qu'il devra élever sa petite fille Hope, dont il a la garde après avoir couché avec une tueuse en série, condamnée à mort. Dans l'épisode 9, saison 1, Jimmy casse ses habitudes pizza TV le soir de Thanksgiving pour un repas plus traditionnel. L'objectif ? Inviter à dîner les grands-parents maternels de sa petite-fille. Les chiens ne faisant pas les chats, ils vont se révéler eux aussi instables, vont kidnapper Hope, et la fin de l'épisode va se terminer en course contre la montre pour la récupérer. Autant vous dire que Jimmy a été le dindon de la farce. Non ? S'il vous plaît, la sortie. Merci beaucoup. Alors, quel est le cru 2015 de Thanksgiving? Il y en a eu pour tous les goûts. Alors, qui veut la réconciliation? Qui veut la réconciliation? Vous? Très bien. Eh bien, on vous conseille l'épisode 6, saison 2 de Jen the Virgin, avec autour de la table Petra et Jen. Il faut dire que ça fait un petit moment que la série tente de rapprocher les deux femmes que tout oppose. Duo maladroit, mais amitié prometteuse à suivre prochainement sur TVA. Qui veut bouboner? Qui veut bouboner? Vous? Ah oui, non, je vous appelle. Qui veut bouboner? Qui veut bouboner? Vous? Ah oui, très bien. On vous invite à regarder l'épisode 8, saison 3 de Brooklyn Nine-Nine avec la naissance du bébé de Sharon et Terry. Et comme ce dernier est envoyé pour mener une enquête, eh bien, il confie à son subordonné Jack la mission de les protéger. Série diffusée sur Canal Plus Série et sur France 4. Alors, qui veut maintenant qui? Eh bien, plus personne. Bon, bah si vous aimez les repas de famille qui virent la catastrophe, on vous suggère l'excellent épisode 8 saison 2 de The Affair. Il faut dire qu'entre Noah et Allison, il y a de l'eau dans le gaz. Voilà donc pour notre sélection 2015 des épisodes diffusés durant Thanksgiving, et là, on part à l'extérieur. Alors il y a bien sûr Thanksgiving en série, et il y a surtout... Et il y a Thanksgiving dans la vie, la preuve avec ce magasin situé en plein cœur de Paris. Venez, je vous y emmène, mais sans mon chapeau, je l'ai perdu dans la téléportation. Et dans cette épicerie, on y trouve tous les meilleurs produits américains. Regardez, les meilleurs cornflakes. Il y a même, alors ça c'est une pépite, Pop Stars. Ça c'est super bon. Et il n'y a pas que ça, regardez.
je l'ai dit, les meilleurs produits américains. Regardez ceci, par exemple, c'est une pâte à tartiner au chamallow. Il y en a pour tous les goûts et vous ne trouverez qu'ici. Et puis le magasin s'appelle Thanksgiving, donc vous y retrouvez tous les produits liés à l'événement. Vous pouvez même y commander des dindes. Enfin, vraiment, venez vous balader dans cette boutique qui s'appelle Thanksgiving. Il y a même des machines à bonbons, ça c'est super bon. Je vous laisse, peut-être sur votre faim. Et je vous retrouve dans 15 jours pour un autre épisode de Series. Bonjour Judith. Hello, enjoy your booger. Je comprends pas ce que vous dites. Je plaisante, je comprends en français. Ah, vous me faites une farce. Oui. Ça, j'espère que vous aimez, c'est le crotonnet. Ah, super.